Salut tout le monde, et on se retrouve pour un nouvel épisode des aventures d'Elena sur Dragon Age Inquisition. Alors, nous sommes toujours à la porte du Ponant et nous avons atteint les ruines endormies. Alors, on voit pas la carte, hein. Donc nous étions à la recherche du manuscrit là, pour traduire des schémas, hein, pour le draconologue Frédéric, hein, et ce qui nous a amené donc ici dans les ruines endormies, hein. Alors les ruines endormies, il y a apparemment une quête associée. Voilà, donc la porte du Ponant. Alors c'est ça, hein, donc un groupe de Venatori pille les ruines endormies sous la porte du Ponant. Ce qui s'y cache est suffisamment important pour être protégé par une barrière. Donc on a explosé la barrière, hein, et puis voilà, nous sommes rentrés dans les ruines endormies. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. La suite des aventures d'Elena. Eh ben c'est reparti. Alors, on avait vu qu'il y avait du monde. Alors il y a du monde. Il y a du monde. Alors attendez, tac. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Des statues? Ah, des gens qui sont figés. Il y a des gens qui sont figés, comme endormis, d'où le nom, oui, endormis, peut-être, que c'est ça. Alors, par contre, il y a des Vétanatori, là, voilà. Ils sont trois, ok, alors allons-y, hop, c'est parti. Vous allez cibler celui-là, et nous, on va essayer de faire tomber celui-là. Alors, ça vous donne quoi? Et la Midoriane. La Midoriane. Il est encore loin. Où es-tu, Dorian? Ah, va te placer là, s'il te plaît. Voilà, alors. Ah, ça tombe bien. Le troisième se rapproche, donc on va pouvoir tous les englober. Voilà, c'est bien, allez. Lui, il essaye de faire mal. Attendez, il est en train de dormir, donc vaut mieux attaquer son compère là-bas. Voilà. Et maintenant, à ton tour. Ok, allez. Il reste plus que le fanatique. Élite là. Bon, c'est bien, on est en hauteur. Magnifique. Allez. Allez, on enchaîne. Encore. Allez. Ça. Ah, on l'a pas eu. Bon, alors, il est mort. Alors, voyons un peu ça de mieux. Enfin, de mieux, de plus près. Ah, ouais, ouais, regardez. Ils sont figés. Y a quoi, là? Ah, un petit coffre. Oh, c'est magnifique. Alors, ok. 167 pièces d'or, une dague, et puis une armure légère. Ouais, bah c'est bien. Bah ici. Alors, on peut pas y aller. Ok. Alors, par ici maintenant. Par ici, on va descendre, et puis on va choper les loots. Donc on reste sur cette partie parce que il y a encore des choses à voir. Alors là il n'y a rien. On peut monter par là, non? Pareil, c'est fermé. Accès impossible. Alors allons par là maintenant. Lire. Ordre des Venatori. Ok. Alors les loot maintenant. Ah. Trop loin, tac. Ok, tac. Ok, que des pièces d'or.
Ouh là là, qu'est-ce que C'est c'est que ça? déconcertant. Neutraliser la magie temporelle. Figé. Je ne crois pas que ce soit l'œuvre des Vénatons. C'est comme si le temps s'était arrêté. Le pouvoir capable d'accomplir ça a dû attirer l'attention des Vénatori. D'accord. Bon, par là, y a rien. C'est une faille, hein. C'est une faille. Alors, ils sont tous figés dans le temps, c'est ça, hein. Un anneau de pénétration d'armure. Ouais. Bon, bah voilà, on a fait le tour par ici. Allons voir par là, maintenant. Ok, alors. Là, c'est inaccessible. Ok. Hop, là, y a rien. Et là... Tiens, y a une porte. Ah, à tout doit agile. Et mince. Il nous faut vraiment cet atout, hein. Ah, ça nous permettrait d'explorer... ce qu'il y a derrière la porte, hein. Pareil logique, hein. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça nous permettrait de looter d'autres autres choses, hein, d'autres trucs. Et ça fera toujours du pognon en plus. Ok. Une hache véridienne. Alors c'est chiant ça, hein, s'il va falloir revenir là-dedans. Ouais. Ah ouais, si on veut débloquer les portes qui sont fermées parce qu'on n'a pas l'atout. On a combien en influence? Ah, il nous en manque 130. Ouais, c'est quand même chiant. Bon, alors, pour l'instant, on va explorer ça. Tac, de toute façon, il n'y a que deux portes qu'on n'a pas pu ouvrir pour le moment. Alors, un coffre. Ça va être facile de revenir plus tard. Quand on aura l'atout, hein, n'est-ce pas, hein. Alors, toujours rien. Allez, allons de l'autre côté maintenant. Ouvrons cette porte. Ouh, ça donne à l'extérieur. Hein, ça doit être ça. Quoi? Y a du monde ou pas? Ah, y a du monde là-bas. Ah, y a du monde là-bas. Ah, y a du monde là-bas. Rapprochons-nous. Rapprochons-nous par là, là. Hop. Hop, par ici, par ici. Allez. C'est bon. Tac. Alors, ça donne quoi? J'ai vu un gars en fufu. C'est lui, là. Il est en fufu! Ah ouais! Allez, eux deux. Notre ami Dorian, c'est bien, il est bien placé pour une fois. Tac. Allez. Allez. Il est mort, lui maintenant. Attention à lui là. Attention à lui. Ok, on va se faire toucher, hein. Tac. Tac. Oh là là là, elle est partie dans le mauvais sens. C'est extraordinaire ça. Et on atterrit pile poil sur un glyphe. Eh ah, bah dis donc. Popo. Allez, on le bute ce tireur. Allez. Ok, alors toi, t'es un élite. On va s'occuper de toi à la fin, l'élite. Voilà.
Bah c'est bon, il n'y a plus personne, il reste plus que lui. Aïe! Ah non, non, il en reste encore lui là. Ok. Ah bah les lits, ils bougent pas! Tout le monde dessus, s'il vous plaît. Hop. Casse-toi, Varric, pourquoi tu te rapproches? Ah, ils sont pénibles à se rapprocher. Regardez-moi ça, ils y retournent. Oh. Allez. Allez. Allez, recule, bordel! Allez, tac. Tac. Voilà. Faut vraiment gérer leur positionnement, hein. C'est incroyable, ça. Clé de pierre. Les marques dessus. J'ai entendu parler de clés de pierre qui portaient les mêmes. Continuez de chercher. Il y en a peut-être d'autres. Petit coffre, hein? Je suis pas devant, voilà. Chapeau de mage orlicien. D'accord, d'accord. Alors, on va aller par là. Oh, mais il y a du monde là-dedans. Une clé de pierre, ouais. Un médaillon, une babiole. Une cote de maille d'éclaireur, d'accord. Lire. Note de recherche, ok, ok, ok. Tac. Alimenter le feu. Lire. Bah voilà, on a chopé le manuscrit. Un manuscrit qui fait autorité, apportez-le à. À quoi? Trop tard. Monsieur Dorian, tu vas alimenter. Je sais pas si ça va servir, mais hein. Et bah si, je pense que ça va servir. Allez, ramène-toi avec le feu, voilà. Alors par là, il n'y a plus rien. Non, regardez. Oula. Oulala, oulala. Prendre. Si vous étiez okay. Toujours chercheuse, vous me traîneriez dans un de vos cercles? Je ne suis plus chercheuse. Mais vous le feriez malgré mon charme indéniable. Oui, je vous y traînerai sans aucun doute. Absolument. Alors, armure intermédiaire, deux armures intermédiaires, 133-121, d'accord. Ah, bah, je suis bloqué là, non? Hop, allez. Une porte! Faut pas l'ouvrir, je parie. Il manque quelque chose. Ouais, il faut les clés là. Il faut les clés. Ouais, c'est la porte qui sonne. C'est par ici! Y'a quoi? Ah bah tiens, une clé. Allez, il nous en manque une. Ah, ils sont tous figés dans le temps, les amis. Donc nous sommes arrivés par là, allons voir par ici. Ok, ok, il reste une salle là. Allons voir ça.
Alors, lire. Note de recherche. D'accord. D'accord. Y a rien. Ah si. Tout petit chouïa de. Y a juste une ligne à défiler. Ah bah voilà la dernière clé. Et là c'est quoi ça? Une épée à deux mains de chevalier. Lire. Note de recherche. Bon bah voilà. On a chopé la dernière clé. On va ouvrir la porte. Allez. Allons ouvrir cette foutue porte. Qu'y a-t-il derrière tout cela? Ok. Tac. Un bâton. C'est ça qu'il cherchait? Je ferais attention si j'étais vous. Je dis ça, je dis rien. Ouais, un bâton. Alors, saut de vive racine. Ah, attaque plus 10 et soin moins 50. D'accord. Alors, il n'y a rien d'autre que ça. Lire. Journal relatant certaines expériences. Ok. Alors, prendre le bâton. Et prendre le bâton. Bâton tempête 97. Dégâts de froid. Ouais. Ce que je voulais entendre. Ok, bon, on a on a défigé tout le monde. Ah voilà la rune. Oh c'est bien mec, lâche ta torche. Allez. C'est quoi qui sonne? Ah c'est la torche. Oh bah voilà, on a fini, on peut s'en aller, non? Non hein. Non, il y a un truc là, étrange faille dans les ruines. Ouais. Accès à la carte du monde. Hop, 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 non. On est obligé de revenir à l'entrée. Wow, tu veux quoi, toi là? Non, mon lit, regardez comment qu'il fait. Il vole. Ah, on va l'endormir. Ok. Dorian recule. Varric il est là, c'est bien. Allez. Allez. Tiens. Ok, il est mort. Bon. C'est dangereux hein. Il y en a d'autres. Ouais, je pense qu'il y en a d'autres. Allez. Ouais. Ok, il y en a d'autres, mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Hein. Donc la suite dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à plus. Portez-vous bien. Ciao, ciao.